Après La Haye et Bruxelles, Barack Obama a fait escale à Rome. L'occasion pour le président américain de s'entretenir avec le nouveau président du Conseil italien, Matteo Renzi. Parmi les nombreux sujets de politique internationale, la crise ukrainienne a été largement évoquée. Mais ce qui a le plus retenu l'attention du président américain est sa première rencontre dans la matinée avec le pape François, dont il s'est dit un grand admirateur. Good afternoon. Comme beaucoup de gens dans le monde, dit-il, j'ai été incroyablement ému par sa compassion, par son message d'inclusion. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de parler avec lui de notre responsabilité à tous à l'égard des pauvres, des exclus. Le pape et le président ont eu un entretien privé de près d'une heure au Vatican. Outre la paix et la lutte contre les inégalités sociales, le sujet plus polémique de l'avortement a été abordé, le Saint-Siège soulignant l'importance du droit à l'objection de conscience des catholiques. Après Rome, Barack Obama s'envolera ce vendredi pour l'Arabie Saoudite, dernière étape de sa tournée.